Nous avons eu le plaisir de faire un point de presse aujourd'hui et de présenter la société H&S Invest Holding, qui s'est transformée d'un holding de participation à un holding opérationnel, structuré autour de 6 business units. Une business unit qui est Disloc Distribution, une autre qui est BLS pour la partie warehousing et entreposage, une autre sur la partie industrie où nous lançons 4 projets industriels, une autre sur la partie internationale, une autre sur la partie communication média et enfin une autre sur la partie transformation digitale. Notre métier est un métier traditionnel, nous avons besoin de faire entrer l'innovation dans ce métier grâce à la transformation digitale. Tous ces projets, notamment la partie industrielle et la partie logistique et la partie digitale, requièrent des fonds. Et pour cela, nous annonçons aujourd'hui l'ouverture de capital de notre holding de gestion familiale pour lever 24 millions de dollars d'un fonds d'investissement étranger, nous permettant de pouvoir créer et de développer l'ensemble de ces projets. Ces projets vont créer 700 emplois, nous permettant de pouvoir être un opérateur économique important à l'échelle distribution, logistique, communication média et maintenant industriel, ce qui fait que notre groupe emploiera 2200 personnes d'ici la fin de l'année et aura 100 000 mètres carrés de capacité de stockage. Je voudrais remercier nos banques, les fonds d'investissement qui nous ont accompagnés, mes équipes, le management des Disloc et de l'ensemble des autres filiales pour le travail qu'ils ont fait. Je pense que c'est l'aboutissement d'un processus. Nous rentrons dans une nouvelle dynamique qui est celle d'une dynamique d'investissement et de croissance pour les 5 prochaines années. Et j'espère pouvoir être accompagné par mes équipes pour réussir ce nouveau challenge. Wallahi wafak, inshallah.